Salut à vous tous, bienvenue pour le 35e journal de la bande dessinée spécial confinement, avec aujourd'hui un libraire. Les libraires sont très importants dans le domaine de la bande dessinée. C'est un peu notre point de rencontre entre les auteurs et le public. Et malheureusement, c'est déjà le deuxième libraire qui met sa clé sous sa porte en l'espace d'une année en Suisse. Alors on va en discuter aujourd'hui. Notre invité est Arnaud Deribes. Bonjour Arnaud Deribes. Salut Paul. Ça fait plaisir de te voir. Mais de même, c'est cool. Comment est-ce que tu vis ce confinement? Écoute, aussi bien que c'est possible. On essaye de soutenir en famille. On passe pas mal de temps à distance, mais ensemble avec la frangine et puis les parents. Et puis on essaie un petit peu de se projeter dans la suite à la hauteur de ce qu'on peut le faire. Parce que toi, en même temps, tu es libraire, tu es photographe de l'extrême, j'ai envie de dire ça. Parce que c'est vrai que tu fais de la haute montagne, tu fais du ski. Et ouais. C'est vrai que c'est impressionnant parce que tu nous ramènes chaque fois des très belles photos, tu as fait des expositions. Donc tu es doublement confiné parce que tu ne peux pas trop bouger en fait, d'où tu es. En plus, le confinement a commencé à la période, on va dire, de randonnée la meilleure, le printemps. Et c'est vrai que toute la belle période de randonnée est partie à la poubelle. Donc c'est sûr, ça fait un peu mal au ventre de ne pas pouvoir être en haute montagne, de profiter de la neige, des sommets et des belles journées qui arrivent, surtout qu'on a eu une période de beau temps absolument phénoménale. Mais voilà, après, il faut savoir être respectueux les uns des autres. Donc je suis resté à la maison et puis j'ai plutôt travaillé sur la suite. Donc les projets qu'on a en commun avec mon papa et le reste de la famille, et puis aussi la projection par rapport à la librairie, parce que le carré d'as qui existe depuis presque 5 ans maintenant va un petit peu tirer sa révérence, va évoluer, va changer. Parce que malheureusement, il n'y a pas tellement de miracles. On le voit depuis quelques années, tous les petits libraires indépendants, malheureusement, doivent fermer la porte de leur boutique les uns après les autres. La présence des grands groupes est très forte. C'est une concurrence assez importante par rapport aux petites entités. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cumul de ça et d'une situation un petit peu particulière aujourd'hui, nous a fait nous remettre en question. Et puis, on a essayé de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que l'édition
de nos livres est quelque chose qui fonctionne relativement bien. On apprécie sortir des livres et on va peut-être un peu plus orienter sur la production en tant qu'éditeur, un petit peu réduire la voilure en termes de librairie. On va continuer à faire découvrir à notre clientèle des auteurs et des albums qu'on apprécie, mais peut-être d'une manière un petit peu différente au travers d'événements et puis de notre site internet et puis moins au travers d'un lieu. Qu'on appelle librairie. Voilà. C'est vrai que tu es éditeur de ton papa, tu as fait des superbes livres avec lui. Merci. Et c'est vrai que c'est magique parce qu'avec grâce à toi, bon, on connaissait ses albums, mais grâce à toi, on fait découvrir l'envers du décor. Parce que vous n'avez pas seulement fait des livres, vous avez fait c'est presque des œuvres d'art ce que vous avez fait ensemble. Alors ouais, on peut appeler ça artbook ou livre d'art, comme tu dis. L'idée, c'était en fait un petit peu de présenter une autre facette du travail de notre papa. Notre papa, parce que c'est vrai que mes deux sœurs sont aussi très présentes dans le processus de création et d'élaboration de ces livres. Oui, ben nous, on le connaît depuis tout petit, donc on connaît toute la palette de son travail. Et c'est vrai que ben, les gens connaissent essentiellement Yekari, Buddy Langway ou Joe, qui sont ses albums phares, ses titres phares. Et l'idée, c'était de présenter que ben, il est à la fois auteur de BD, illustrateur, peintre, et qu'il a des qualités graphiques qui sont incroyables. Et petit à petit, ben, au travers de ces différentes techniques de dessin, que ce soit le crayonné, l'aquarelle, la ville, etc., l'idée, c'était au travers de beaux livres, présenter d'autres facettes de ces qualités graphiques. Oui, parce que grâce à toi, ben, on avait des Yakari en noir-blanc, qui était super, parce qu'on voyait justement le travail de l'ancrage. On a eu ben, Tu seras reine, qui était un superbe album, mais collector aussi, avec d'autres facettes. Ou si je ne me trompe pas, tu as même fait un reportage DVD sur l'album. Oui, absolument. En fait, Tu seras reine, c'est notre première collaboration ensemble. Le Lombard nous a aidé au niveau de l'édition du livre. Et moi, en parallèle, bah, j'ai sorti un documentaire vidéo qui présentait toute l'élaboration d'une bande dessinée, bah, comment on construit une bande dessinée, quelle technique il a utilisée pour celle-là. Voilà, ben, vous voyez, je suis en train de crayonner sur Tu seras reine. J'ai terminé le 37e Yakari il y a quelques jours et je me mets à fond dans Tu seras reine. C'est une histoire qui me tient très à cœur sur les vaches d'Airain. Et j'ai besoin de beaucoup de documentation. C'est l'histoire la plus, je dirais, la plus précise sur le plan des décors, des personnages, parce que ça se passe à des endroits précis du Val d'Airain, au-dessus de la Forclaz. Et donc, j'ai besoin d'énormément de photos pour que tout soit juste. C'est pas comme une BD où on crée une histoire qui se passe dans une ville qu'on invente. Là, c'est très précis. Et donc, ça me demande beaucoup plus d'attention. C'est plus compliqué, mais en même temps, c'est un challenge qui me passionne. Et donc, voilà, je suis en train de faire ça. Et là, j'en ai pour en tout cas 4 mois devant moi de travail intensif de 12 heures par jour pour arriver au bout de cette histoire. J'en suis à peu près au niveau du crayonné à un petit peu plus de la moitié. Et ben, je me réjouis de vous montrer l'avancement de tout ça. Vous verrez les crayonnés, vous verrez la mise à l'encre. On vous tiendra au courant de tout ça. Et puis ben, suite à Tu seras reine, il a fêté ses 50 ans de carrière qu'on a salué au travers de L'aventure d'un crayon, qui est ce artbook de 250 pages qui traverse toute sa carrière graphique, tous les dessins inédits qui n'ont jamais été publiés. Et alors, L'aventure d'un crayon, c'est voilà, c'est le premier vrai livre que j'ai fait seul. Avec lui. Et puis ben, de là, il y en a tout plein d'autres qui sont sortis avec ces beaux albums typiquement suisses de La Patrouille. Et puis ben, bientôt, pour l'année prochaine, La Promesse, qui sera le dernier opus valaisan qu'on réalise ensemble. Oui, c'est magique parce qu'en fait, il m'expliquait que bah, toi, vu que tu skis, tu fais des choses là, donc tu peux aller voir comment sont les plans et après lire des signes. Donc c'est magique père et fils travaillent sur un album. Oui, bon, c'est moi je peux joindre l'utile à l'agréable, Oui. dire.
comme lui avec le dessin. Mais c'est vrai, ben voilà, il travaille sur photo pour être le plus, comment dire, le plus réaliste par rapport aux endroits qu'il met en avant dans ce beau Valais. Et ben moi, je vais faire des photos en amont de grandes quantités parce que il travaille jamais grâce à une photo. Il a besoin d'un panel de plusieurs photos différentes pour créer son image, pour qu'elle soit la plus vivante possible. Donc moi, je vais faire des photos en amont qui sera sa documentation. Et puis ben ensuite, lui, il profite de cette documentation pour pouvoir réaliser graphiquement ses dessins. Donc c'est au-delà du fait d'être, entre guillemets, un éditeur, on conçoit vraiment l'album ensemble. Et maintenant, ben, je travaille avec lui au niveau du scénario. Donc c'est vraiment un travail main dans la main et c'est un grand privilège de pouvoir travailler comme ça avec son père. C'est vrai que c'est génial, toi tu faisais des films, mais en plus maintenant tu vas faire des scénarios avec ton papa, c'est-à-dire que tu vas devenir scénariste de bande dessinée. Ben, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai souvent quand on me pose la question, mais parce que ben voilà, la photo, la galerie, la librairie, l'édition, quoi, je touche à pas mal de choses. Mes origines de formation, c'est quand même le théâtre. Le théâtre, c'est raconter des histoires. Et c'est vrai que quand on me demande ce que je fais, moi je dis que je raconte des histoires. Je raconte des histoires par le biais de la photographie, par le biais de la scène, par le biais des livres. Et c'est vrai que ben, si je devais, on va dire, envisager un avenir, ce serait plus en tant qu'auteur scénariste qu'autre chose. Mais ça, une fois de plus, soyons humbles, c'est l'avenir qui le dira. Et si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, ton papa, il avait donné en fait ton nom à une série de bandes dessinées qui était Arnaud de Castelloup, c'est juste? Oui, absolument. Alors, j'étais Ouais. pas né, hein. Ah, tu n'es pas encore né, ok. J'étais pas encore né. C'est cette série qui a fait que je m'appelle Arnaud aujourd'hui. Ouais. Ah, je pensais que c'était inversement, tu étais Non, né et il a non. dit je mets le nom. Ah, d'accord. Ah, il y a eu d'abord la série et je suis né juste après. Ah ouais. Donc, c'est un bel hommage dans les deux sens. Absolument, tout à fait. Donc, tu aurais pu être chevalier, alors. Oui, absolument. Ouais. Et là, ben, sur quel projet en fait tu travailles? Là, vous savez que tu travailles sur la Dent Blanche, mais est-ce que tu aurais d'autres idées après de scénario ou d'autres idées de livres? Alors, actuellement, ben, voilà, l'avenir fait que la librairie se ferme. Donc déjà, Oui. je renouvelle l'entité qu'on avait créée entre As Création, que la maison d'édition, et le Carré d'As, qui était, on va dire, la logistique de mise en avant de l'aspect graphique entre la galerie, la librairie et la librairie itinérante qu'on avait sur différents salons. Donc, on va essayer de canaliser, de garder cette petite entité mobile. Et à côté de ça, l'idée, c'est de continuer à promouvoir tout ce qui est graphique, bande dessinée, jeunes auteurs suisses et puis vieux grigous comme mon papa. Et l'idée, ça serait de partir sur l'idée d'un MOOC. Un MOOC, donc un de ces magazines qui est où l'illustration et la bande dessinée est très mise en avant au travers du support, qui aurait comme thématique un petit peu comment dire, le fait de discuter, de partager, d'échanger autour ben, de l'évolution de notre société, parce que ben, la situation qu'on vit aujourd'hui fait se poser beaucoup de questions. Surtout, je dirais à la jeunesse, parce que ben, on voit bien que on peut pas continuer comme ça, mais comment continuons autrement? Et je trouve que malheureusement aujourd'hui, la société ne donne pas beaucoup de chance au travers d'infrastructures et de supports de pouvoir échanger et de partager, de trouver des solutions, d'échanger des conseils. Et là, l'idée, ça serait de lancer une plateforme qui permettrait de pouvoir échanger et partager sur ces thématiques grâce au talent de différents auteurs qui nous entourent ici en Suisse. C'est une superbe idée. Alors, une fois de plus, l'avenir nous Ouais. dira, c'est du travail. On vit quand même une période un peu particulière où ben, mettre en route des projets, c'est pas toujours simple. Et puis, trouver la bonne balance entre un équilibre où ben, trouver de quoi vivre, mais également essayer d'être le plus résilient et le plus décroissant, c'est un savant équilibre. Et puis ben, on y travaille au quotidien, puis on va voir comment on peut évoluer avec tout ça.
Et pour te retrouver, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter directement les bouquins sur ton site internet, qui est Ars Création. Ouais, tout à fait. Alors, y a trois plateformes en une, c'est-à-dire que via Derib.com, via ascreation.ch et encore aujourd'hui lecarredas.ch, vous tombez sur la plateforme de notre site internet qui présente, on va dire, tout ce qu'on fait, autant d'un point de vue d'actu que d'articles, mais également de la boutique en ligne. On peut acheter tous nos livres de nos éditions sur la boutique. Actuellement, jusqu'à la fin du confinement, on a fait un geste et on propose 20% de réduction sur nos livres. Quand je dis nos livres, c'est nos éditions, ce n'est pas les livres qu'on vend d'autres maisons d'édition. On trouve aussi tous les Yakari, parce que c'est vrai que durant ce confinement, les enfants avaient envie de s'occuper, donc on s'est dit, allez, on les propose. Et puis on trouve également des coloriages en noir et blanc à pouvoir télécharger et imprimer pour que les enfants puissent dessiner. On a fait un concours Yakari, donc on essaie de faire vivre, comme on avait ces distances sociales et qu'on pouvait plus se voir, on essaie d'utiliser la plateforme Internet pour communiquer un maximum avec les gens. Et c'est vrai que le dernier livre que tu n'auras pas sorti, Les animaux de là-haut, qui est superbe. Donc, tu vas profiter justement d'aller acheter directement le livre chez vous, quoi. Ouais, tout à fait, absolument. Ouais. Donc, on est dans une réalité de distance sociale, ce qui fait qu'il y a eu un petit peu une émergence de l'utilisation de l'ordinateur, du web, qui s'est fait ressentir plus forte, hein, rien que par le télétravail pour beaucoup. Mais à côté de ça, on a vu toutes les grandes plateformes de vente en ligne qui ont explosé. Après, de nouveau, je pense pas que de toujours supporter des grands monstres comme ça soit la bonne chose. Il y a d'autres entités qui essayent, que ce soit dans le milieu de la vente alimentaire, de la vente de différents produits X, Y. C'est des petites entités. Et je pense que ce soit par le web ou que ce soit par un commerçant qui a une boutique, c'est mieux de favoriser les petites entités aux plus grandes. Ah oui, mais c'est important. Puis en même temps, on vous aide. C'est ça, absolument. Ouais, et on Bien vous en sûr. remercie. Merci. Je te remercie beaucoup, Arnaud, de nous avoir accueillis chez toi. Merci à toi, Pal. C'était un plaisir. Moi aussi. Et puis, à tout bientôt en live. Ouais, avec très grand Super. plaisir. Ah oui. Alors, merci À beaucoup. tout plus, hein. Bye Merci bye. beaucoup. Ciao.